Vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zachary Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des tués pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques. De la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion. De la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zachary Kabengele, virgule, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zachary Kabengele à Bible ouverte. Nous acclamons le Seigneur. Que nous mettions Jean chapitre 10. Jean 10. Nous connaissons bien ce verset. L'évangile de Jean chapitre 10. Injili ya Yohane sura yake ya 10. Ça ne vient pas, les amis. Alors le Seigneur Jésus dit ceci. Alafu Bwana Yesu anasema hivi. Il dit que le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, anasema pour détruire. Anakuja kwa sababu ya kuiba, kwa sababu ya kuharibisha na kuchinja. Nous savons tous que le voleur dont il est question ici, c'est le diable. Tunajua kwamba huyu mwizi ni shetani. Pourquoi le diable, Jésus le qualifie de voleur? Kwa sababu shetani Mungu Yesu anasema anakuwa mwizi. Est-ce que le diable n'a créé aucune vie? Kwa sababu shetani akumbake mtu le diable n'a créé aucune vie animale ou humaine. Shetani akumbake wala mtu wala nyama. Même pas les végétaux. Ata mimea. Il est aussi une des créatures de l'Éternel. Naye anakuwa katikati ya viumbe vya Mungu. Mais à cause de son mauvais cœur. Lakini kwa sababu ya roho mbaya yake. Il veut convaincre les hommes que leur vie dépend de lui. Anataka kuonesha bantu asema maisha yabo iko na mtegemea yeye. Mais comme c'est un menteur. Sasa vile ni muongo. Il a la ruse. Eko na hila. Mais en définitive, mwisho ya yote, tous ceux qui croient en lui, lui-même finit par les détruire. Bale bote bana muamini, mwisho ya yote anabaua. Il n'y a personne akuna mtu qui sert le diable sur cette terre. Mwenye anayemtumikia shetani même si le diable a fait de lui le président du monde. Hata kama shetani alimfanya yeye ndio anakuwa mtawala wa watu wote wa padunia. Mais un jour arrive. Lakini siku moja itafika. Le diable va cesser de le soutenir. Kule shetani ataachaka kumsaidia. Et puis de le détruire. Na kisha yake anamharibu. La fin de tous ceux qui travaillent avec le diable. Mwisho ya bale bote bene kumtumikia shetani. Nous savons que c'est l'enfer. Tunajua ya kwamba ni mumoto. Et c'est ça son objectif. Na njo kifukuzio kiake. C'est donc un voleur, rien ne lui appartient. Ni mwizi ana na kitu. Il n'a rien créé. Akumbaka kitu. Un voleur c'est celui qui vient voler des choses qui ne lui appartiennent pas. Mwizi ni mwenye anakuwa kuiba vyenye havina vyake. Donc il détruit les vies des hommes et des femmes qui n'a pas créé. Nikuseme ko naharibisha maisha ya banaume na banamuke benye yeye akuumba. Alors le Seigneur continue. Sasa Bwana anaendelea. Il dit moi. Anasema mimi. Jésus. Mimi Yesu. Je suis venu. Nilikuja. Afin que les hommes aient la vie. Hivi watu wapokee uzima. Et une vie abondante. Na uzima katika utele. La suite. Afatayo. Je suis le bon berger. Mimi niko mchungaji mwema. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mchungaji mwema anapana uzima yake juu ya kondoo zake. C'est une déclaration importante du Seigneur Jésus-Christ. Tamko ya muhimu ya Bwana Yesu Kristo. En ces deux versets, il résume l'essentiel de la mission qu'il est venu accomplir sur la terre. Anafafanua mukufupisha kazi yenye alikuwa kutimiza pa dunia.
Il est venu sur la terre alikuja pa dunia pour donner sa vie kwa sababu ya kupana uzima wake. Donner sa vie à qui? Kupana uzima wake kwa nani? À tous les hommes? Kwa watu wote? Non. Apana. Donner sa vie à ses brebis. Kupana uzima wake kwa kondo zake. Et qui sont les brebis? Na bakondo ni banani? Ce sont tous les chrétiens. Ni bakristo bote. Né véritablement de nouveau. Bene kuzalikwa kweli kweli jipya. Et membre du royaume de Dieu. Na wana memba ufalme wa Mungu. Représenté sur la terre par l'église. Yene kumaanishwa duniani na kanisa. Jésus dit, je suis venu. Yesu anasema mimi ninakuja pour que mes brebis aient la vie. Hivi kondo zangu wapokee uzima. Ma vie à moi. Uzima wangu mimi. C'est lui qui engendre les brebis. Mwenye ni ye anazala kondo. C'est lui qui engendre les brebis. Yenjo anazala kondo. Pour qu'il devienne enfant de Dieu. Jubawe batoto ya Mungu. Vous n'avez qu'à relire Jean 1, 12. Somlula Yohane sura ya kwanza 12. Lors de la nouvelle naissance. Wakati ya kuzalikwa jipya. Bien aimé, nous avons déjà expliqué ceci un jour. Wapendwa siku moja tulisha mifasiria hivi. Que potentiellement. Ya kwamba kwa azina. Christ nous a engendrés sur la croix. Christo alituza kumsalaba. Au moment où le sang coulait abondamment de son corps. Wakati damu ilikuwa navuya na kumwangika mumwili kwa utele. De la tête jusqu'aux pieds. Tokea kichwa mpaka kumiguu. Il a donné la tête on a mis la couronne de pieds. Alipana kichwa waliweka taji ya miba. Les épines sont entrées dans la peau. Miba iliingia ndani ya ngozi. Le sang est sorti. Damu ikavuya. Il a donné les mains les pieds pour conclure sur le bois. Alipana mikono na miguu hivi vaipike misumari pa msalaba. Le sang est sorti. Damu ilimwangika. Il a donné le ventre. Alitoa lubavu. Qu'on puisse trouver. Hivi baitobole. Le sang est sorti. Damu ilimwangika. Avant il avait donné le corps pour qu'on puisse fouetter. Mbele alipana mwili hivi pikwe fimbo. Ceux qui le maltraitaient. Benye balikuwa na muteswa. Était dans la joie. Bali furai. Mais il ne savait pas. Lakini abakujuaka. Et c'est ce que lui voulait qu'on le fasse. Ya kwamba joke ya alikuwa nataka bamutendeye. Afin que hivi. Le sang coule abondamment. Et son corps. Et mwangike kwa utele. Il fallait que le sang coule abondamment de son corps. Et le bidi damu imwangike kabisa tokea mwili yake. Pendant que le sang coulait de son corps. Wakati damu ilikuwa na mwangika tokea mwili yake. Il était en train d'engendrer les brebis. Alikuwa nazala bakondo. Les parents biologiques. Na ata bazazi babatoto bakimwili. C'est par leur sang qu'ils nous ont engendrés. Ni kupitia damu ya bobo njo balituzala shie. Et qui nous ont communiqué leur vie. Na balituamkizia maisha yabo. C'est vrai aussi sur le plan spirituel. Ni vile vile tena muali ya kiro. C'est par. Ni kupitia. Son sang. Damu yake yeye. Que notre Dieu. Mungu wetu Jésus Christ. Yesu Kristo. Nous a engendré. Ali tuzala sisi. C'est pourquoi il dit je suis venu donner ma vie à mes brebis. Na ni vile anasema nilikuwa juu kupana uzima wangu kwa kondo. Et c'est sur la croix qu'il a opéré cela. Na ni pa msalaba njo alitimiza ile. Je dis bien c'est une naissance potentiel. Nasema vizuri inakuwa kizalikio kia azina. C'est spirituel mais potentiel. Ni ya kiro, lakini ya azina. Maintenant, pour que. Lakini sasa. Cette naissance. Juu kule kuzalikwa. Devienne effective. Ipate kuwa ya kuonekana kwenye. Tout homme doit naître de nouveau. Mtu ote anapasha kuzalikwa jipya. Nous n'allons pas enseigner la nouvelle naissance encore aujourd'hui. Leo tutafundisha ni nini kuzalikwa jipya. Nous allons seulement lire en guise de rappel. Tutasoma tu kwa sababu ya ukumbusho. Jean chapitre 3. Yohane sura ya 3. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui donne cet enseignement à Nicodème. Ni Bwana Yesu anamfundisha Nikodemu hii mafundisho. Jean 3. Yohane sura ya 3. On peut nous lire le verset 3. À partir de 3. Jésus lui répondit. Yesu akamjibu. Vraiment, Nicodème, je te l'assure. Akika Nicodème na kuhakikishia. À moins de renaître d'en haut.
Est-ce pourquoi comme on a zali kwa toka juu? À moins de renaître d'en haut. Est-ce pourquoi comme on a zali kwa toka juu? Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Hakuna mtu anaweza kuona ufalme wa Mungu. Personne ne peut devenir membre du royaume de Dieu. Hakuna mtu anaweza kuwa mwanamemba wa ufalme wa Mungu isipokuwa de renaître d'en haut. Kama nazali kwa toka juu. Le Seigneur Jésus pèse ces mots. Bwana Yesu anajua bienye kona sema. Il parle donc d'une nouvelle naissance. Anasemea juu ya kuzalikwa jipya. En comparaison à la première qui est physique. Kwa kulinganishwa na ile ya kwanza inakuwa ya kimwili. Qui concerne nos vies sur la terre. Inaelekea maisha yetu ya padunia. Né. Mwene kuzalikwa. Engendré par nos parents vivant sur la terre. Ni baba zazi yetu, baba tubalituzala padunia. Naissance physique. Ni kizalikio kia mwili. Mais il dit ici. Lakini anasema hivi hapa. Il faut renaître d'en haut. Tafadhali kuzalikwa tena. Nikodemu lui a dit, bon écoute. Nikodemu anamwambia sasa. Moi je suis déjà vieux. Mimi nilisha komea. Comment penses-tu que je vais encore rentrer dans le ventre de ma maman pour naître? Namna gani tarudia mtoto wa mama yangu juu ya kuzalikwa tena na mwambia. Non, je te comprends, je sais que tu es le docteur de la loi. Na kuelewa wako mwalimu wa sheria ni vitu vyenye hawelewe Nikodemu. Je ne parle pas de la naissance physique Nikodemu. Siseme juu ya kuzalikwa toka tumbo ya mama yako. De la naissance à partir d'en haut. Nasemea juu ya kuzalikwa kuwa mtoto kutoka kumbingu. On peut lire la suite. Tusome yafuatayo. Tafadhali. Oui. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine kawaida, naturelle. Ya batu, ya watu, ya kawaida. Mais ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Bana ongozwa na roho. Il a dit, anase, vous devez renaître d'en haut. Unapasha kuzalikwa toka juu. Nous retenons un. Il dit ici pili, que apa, vous devez renaître de l'esprit. Unapasha kuzalikwa tena ici tokea c'est le Saint-Esprit. Huyu ni Roho Mtakatifu. Et c'est lui qui va vous animer. Ni yeye atakuwa ndani yenu juu kusaidia muishi. C'est lui qui va vous faire vivre. Ni yeye atamisaidia muishi. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. On peut continuer. Tunaweza kuendelea. Ne sois donc pas surpris. Apana kushitushwa basi. Si je t'ai dit. Kama nilikuambia. Il vous faut renaître d'en haut. Tafadhali uzalikwe utoke kumbingu. Ah, est-ce qu'on peut lire encore la suite? Tusome tena yafuatayo. Le vent souffle où il veut. Upepo inavuma kwenye nataka. Tu en entends le bruit. Unasikia kelele. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Na kwenye iko naenda. Il en est ainsi nani vile vile. Pour quiconque est né de l'esprit. Juu ya yeyote anazalikwa anakuwa mtoto wa roho. Nikodemu reprit. Nikodemu akajibu. Comment cela peut-il se réaliser? Namna gani vile vinaweza kutendeka? Le Seigneur lui répond. Bwana anamjibu. Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela. Batoto ba Israeli, haujui hii mambo? Lui répondit Jésus. Na Yesu akamjibu. Et le Seigneur ajoute. Na Bwana anaongeza. Vraiment, je te l'assure. Hakika na kuhakikishia. Nous parlons de ce que nous connaissons réellement. Tuko nasemea juu ya yenye tunajua kabisa. Et nous témoignons de ce que nous avons vu. Na tuko nashuhudia yenye tuliona. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Japo mweye amuitikie ushuhuda yetu. La suite. Yafatayo. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres. Kama auaminie wakati nakwambia mambo ya dunia. Comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Je utaamini wakati nitakwambia mambo ya kumbingu? Car personne n'est monté au ciel. Kwa sababu hakuna mtu alishapanda mbinguni. Sinon celui qui est descendu du ciel. Isipokuwa paka mwenye alitoka kumbingu. Le fils de l'homme. Mwana wa watu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na abarikiwe. Au verset 5, le Seigneur Jésus dit ceci. Shairi yake ya tano Bwana anasema hivi. Il dit à moins de naître d'eau et d'esprit. Anasema isipokuwa kama unazalikwa kwa maji na roho. Donc, nous avons dit que potentiellement, tulisema kwa azina, il nous a engendré sur la croix. Alituzala pa msalaba. Mais pour que cette vie, lakini juu ule uzima, devienne la nôtre. Iwe yetu. Nous avons une obligation. Tuna shurti. C'est de naître de nouveau. Ni kuzalikwa jipya. C'est pourquoi Jésus a enseigné la nouvelle naissance. Ndio kwa sababu Yesu alifundisha kuzalikwa jipya. C'est pas un prophète qui l'a enseigné, mon frère. Aina nabii ndio alifundisha ndugu yangu. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ni Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Il dit, vous devez renaître d'en haut. Anasema mnapasa kuzalikwa toka juu. Pourquoi il dit renaître d'en haut? Kwa sababu gani anasema kuzalikwa tena toka juu? L'eau.
maji. C'est l'image de sa parole. Ni mfano ya neno lake. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Elle est esprit. Ni roho. Elle est Dieu. Ni Mungu. Et Dieu a comme le ciel comme demeure. Na makao ya Mungu ni mbingu. L'esprit c'est le Saint-Esprit. Roho ni Roho Mtakatifu. Qui vient d'en haut. Anatokea na ye ku mbingu. Jésus précise. Yesu anahakikisha. Si vous ne laissez pas partir d'en haut. Kama auzaliwi kutokea mbinguni. Vous ne deviendrez jamais enfant de Dieu. Kamwe hautakuwaka mtoto wa Mungu. Donc Jean 1:12. Yohane sura ya kwanza 12. Rejoint cet enseignement de la nouvelle naissance. Inasemea sawasawa na mafundisho ya kuzalikwa jipya. Le Saint-Esprit. Rome takatifu. Sans lui. Bila yeye. Personne ne peut prétendre vivre la vie du bon berger. Hakuna mtu anaweza kuzania ya kwamba ataishi uzima ya mchungaji mwema. Il a dit Jésus. Alisema Yesu. Je suis venu. Nilikuja. Pour que les brebis aient ma vie. Hivi kondo zangu bapokee uzima wangu. C'est ça ma mission. Jo kazi yangu. Je meurs sur la croix. Akufa kumsalaba. Au travers mon sang j'engendre des brebis. Hivi kupitia damu yangu nizale bankondo. Donc si mon frère. Kama nduku yangu. Tu ne satisfais pas à la condition. Autimize kanoni. Tu n'es jamais né d'en haut. Kamwe auya zalikuwa katoka kumbingu. Tu ne seras jamais la brebis de Jésus. Na hautakuwaka kondo wa Yesu. C'est l'action de la parole et du Saint-Esprit. Ni tendo ya neno na Roho Mtakatifu. Lorsque les évangélistes wakati wa pasha habari njema sont en train d'évangéliser beko na pasha habari tout homme qui croit yeyote anayeamini au message de salut kumjumbe ya okovu qui croit dans son esprit anaamini ndani yake qui croit la parole qui lui est prêchée anaaminia neno inaumhubiriwa le Saint-Esprit qui est l'auteur de cette parole Roho Mtakatifu mwenye neno ile va maintenant s'installer dans son esprit. Ataka ndani ya roho yake. S'installer dans son esprit. Ataika ndani ya roho yake. Pour désormais communiquer la vie de Dieu à cet esprit. Jo kuanzia pale anze kuamkizia roho na uzima kwa roho yake. Ainsi, na ni vile, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, dominant sur l'esprit de cet homme, mwene kutawala roho ya huyu mtu, lui communique la vie de Dieu, anamwamkizia uzima wa Mungu, tous les jours, kila siku, afin que l'esprit de cet homme, hivi roho ya huyu mtu, qui reçoit cette nouvelle vie de Dieu. Inayopokea uzima mpya wa Mungu. Par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Kwa neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Que cet esprit communique cette vie à l'âme. Roho ipate kuamkizia ule uzima kunafsi. Et au corps. Na mwili. Ainsi l'esprit de l'homme. Na vile roho ya mtu. Va maintenant être maître. De tout son être. Atakuwa kiongozi na mtawala wa umutu wake ote. Lorsque l'âme va venir avec des passions, des sentiments. Wakati nafsi itakuja na maanasa na bivukutu. Qui sont contraires. Inakuwa kipindupindu. À la parole de Dieu. Kuneno la Mungu. L'esprit va interdire l'âme. Roho itakataza nafsi. Lorsque le corps va s'ébranler dans des sentiments. Wakati roho itaingia mumania mbalimbali kimwili. Qui l'amène à pécher contre Dieu. Wakati mwili itaingia mania mbalimbali yenye kumsukuma itende zambi mbele ya Mungu. L'esprit va donner les ordres au corps. Roho itapana agizo mwili. Et le corps va obéir. Na mwili itatii. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que l'esprit est sous la puissance. Inaongozwa na uwezo ya Roho Mtakatifu. Beaucoup de gens, watu wengi, ont été des ivrognes. Balikuwaka balevi. Ivrognes. Balevi.
que tu le veuilles ou non, upende usipende, si on te ferme les yeux kama bana kufunga macho, et on met le vin dans ta bouche, na bana weka mvinyo mukinwa chako, ta bouche va s'ouvrir et tu vas avaler. Kinwa chako kitafunguka na utaimeza. Le corps ne refuse jamais la bière. Mwili loayo aikatalake pombe. Mais lorsque la soif va susciter, sera susciter dans le corps. Lakini wakati ile kiu takuwa ndani ya mwili. Mon esprit va dire à mon corps. Roho yangu itambia mwili yangu. Tu dois te taire car ceci ne te concerne plus. Kakimia kwa sababu hii mambo haina yako tena. Et l'esprit va interdire au corps tous les mouvements. Na ata ro itakataza mwili shitenke shinyoloshe mukono shibebe kintu. Ce qui fait que je ne vais pas tendre la main pour prendre le verre. Jovilo taona mukono yangu itanyoloka juu ya kubeba kilauri. Je ne vais pas ouvrir la bouche pour boire. Shitafungula kinwa yangu juu ya kunwa. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que par la puissance du Saint-Esprit. Kwa sababu kwa uwezo ya Roho Mtakatifu. Mon esprit est devenu maître de mon être. Ro yangu inakuwa kiongozi na mtawala ya umutu wangu. Lorsque jusqu'aujourd'hui mon frère. Wakati kama mpaka na leo ndugu yangu na dada yangu. Ton esprit n'a pas encore réussi à dominer ton âme et ton corps. Bado ro yako haiafikia mkutawala nafsi na mwili yako. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Nikusema na leo hauyazalikwa jipya. Ou bien un jour tu es né de nouveau. Au kuku ile siku ulizalikwaka jipya. Mais tout de suite après. Na kisha yake. Tu as refusé. Ulikata. De te laisser conduire par le Saint-Esprit. Kuitika kuongozwa na Roho Mtakatifu. Romains 8 il est écrit. Wa Roma 8 imeandikwa. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Bale bote banaongozwa na Roho. Roho Mtakatifu wa Mungu ni batoto ya Mungu. Combien de chrétiens se laissent conduire par le Saint-Esprit? Ni bakristu bangapi beko na jachilia baongozwe na Roho Mtakatifu? Notez ceci, peuple de Dieu. Jueni hivi batoto ya Mungu. Le Saint-Esprit non seulement il intervient lors de notre naissance spirituelle. Roho Mtakatifu sio tu anatenda wakati asisi kuzalikwa. Retenez ceci, Jésus a dit vous devez renaître d'en haut. Jua ya kwamba Yesu alisema unapasha kuzalikwa toka kumbingu. Je vous ai expliqué pourquoi Jésus a dit ça. Nilikufasiria kwa sababu gani Yesu anasema vile. Donc c'est fait que même la vie que nous menons maintenant sur la terre. Nikusema hata maisha yenye tuko naishi sasa duniani. Nous les brebis de Jésus-Christ. Sisi kondoo wa Yesu. C'est une vie d'en haut. Ni uzima wa kutoka kumbingu. C'est une vie d'en haut. Ni uzima ya kutoka kumbingu. C'est une vie d'en haut. Ni uzima ya kutoka kumbingu. C'est pas une vie de la terre. Aina maisha ya padunia. Nous sommes nés à partir du ciel. Shitulizalikiwa kutokea kumbingu. Et la vie que nous menons sur la terre, c'est la vie de notre Dieu. Na uzima yenye tuko naishi padunia ni uzima ya Mungu wetu. La nouvelle naissance. Kuzalikwa jipya. Et aussi définie de la manière suivante. Na hiyo tena imefafanuliwa mnamna hii. L'acte régénérateur. Ni tendo ya kufanya mtu anakuwa mupya. L'acte créateur du Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Ni kazi ya kuumba kwa Roho Mtakatifu kwa njia ya neno la Mungu. Donc le Saint-Esprit participe à notre naissance. Ni kusema Roho Mtakatifu anahudhuria kwa kuzalikwa kwetu kwa kiroho. Ainsi, na hivi la naissance par le sang de Jésus n'est plus potentielle pour nous. Kuzalikwa kwa njia ya damu ya Yesu Kristo aina ya azina kwetu. Elle devient maintenant effective. Inakuwa ya kweli njo yenye tuko naishi. De deux. Kia pili. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Je suis venu pour que mes brebis vivent ma vie. Nilikuja juu kondoo zangu wapate kuishi uzima wangu. Qu'ils vivent ma vie. Waishi uzima yangu. Et qu'ils la vivent en abondance. Na waishi katika utele. Nous devons comprendre quelle est cette vie de Jésus. Na tunapasha kuelewa ni uzima gani wa Yesu. C'est la vie de Jésus en tant qu'homme qu'il a vécu sur la terre. Ni uzima wa Yesu kama mwanadamu vile aliishi pa dunia. C'est la vie du Messie. Ni uzima ya Messia. Jésus. Yesu. Si vous lisez Hébreux 9, 10, etc. Ukisoma Hebrania 9 10 na inginevyo. Il a dit au Père. Aliambia Baba. Puisque les hommes. Kwa sababu watu. Continuent à pécher dans le corps. Wanaendelea na kutenda zambi ndani ya. Malgré le sang des animaux, etc. Ingawa damu ya wanyama na vinginevyo. Donne-moi. Tie. Un corps comme le leur. Mwili ya kufanana na yao. Je vivrai au milieu d'eux.
Et je ne commettrai pas de péché. Lakini mimi sita tenda zambi. En ce moment-là, kwa ile wakati, je t'offrirai ce corps takutolea mwili, et le sang. Na damu, et en ce moment-là, na kwa ile wakati, tu vas justifier toute l'humanité utahesabia haki watu wote, et prendre leur péché, mettre sur ma tête. Na kuchukua zambi yao kuiweka juu yangu mimi. Jésus ne pouvait pas sauver l'homme. Yesu hakuweza kuokoa mtu. En dehors de l'homme. Inje ya mtu. L'homme vit mutu dans le péché. Eko naishi muzambi. L'homme esprit âme dans le corps vit dans le péché. Mtu ro nafsi ndani ya kimwili anaishi ndani ya zambi. Et pour sauver cet homme. Na juu ya kuokoa huyu mtu. Jésus devait. Yesu alipasha. Prendre la même nature humaine, esprit, âme et corps. Kubeba hali ya mtu ya mwanadamu, roho, nafsi na mwili. Et vaincre le péché. Na kushinda zambi. C'est ça la vie de Jésus sur la terre. Ndio uzima wa Yesu pa dunia. Qu'est-ce qui a caractérisé la vie de Jésus? Uzima wa Yesu ilikuwa nini? Kia kwanza. Une obéissance sans précédent. Utiifu bila kutafuta mambo ingine. L'obéissance à Dieu. Utiifu kwa Mungu. Vous n'avez qu'à lire Esaïe 53 verset 9. Soma Isaïe 53 mstari wa 9. Il n'est pas encore venu sur la terre. Bado hayafika pa dunia. Mais Esaïe donne cette prophétie concernant sa vie, sa mission sur la terre. Anatabiri kuhusu maisha yake juu ya kazi na kuja kwake pa dunia. Il est bien précisé dans ce verset. Imehakikishwa vizuri ndani ya Isaïe. On peut mettre Esaïe 53:9. Utuweke Isaïe 53 mstari wa 9. On a mis son tombeau parmi les criminels. Na waliweka kaburi yake katikati ya wauaji. Et son sépulcre parmi les riches. Na hata tuburi yake katikati ya wauaji. Alors il n'avait pas commis d'acte de violence. Japo hakufanyaka jeuri. Et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé des mensonges. Na kamwe midomo yake haikutamka uongo. Un témoignage prophétique. Ushuhuda ya kinabii. Sur le Seigneur Jésus. Juu ya Bwana Yesu. Avant qu'il ne vienne sur la terre. Mbele ya yeye kuzalikwa hapa duniani. 7 siècles après. Miaka 700 kisha. Il descend sur la terre. Anafika pa dunia. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5. Ukisome wa Korinto wa 2 sura yake ya 5. Le verset 21. Mstari wake 21. Il est déjà sur la terre. Alishafika duniani. Quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Wakati mtume Paul anaandikia wa Korinto. Le Seigneur a vécu, il a accompli la mission, il est rentré au ciel. Bwana aliishi pa dunia, alifanya kazi, alimaliza kazi. Sikia kenye anahakikisha. Celui qui était innocent de tout péché. Ule mwenye akufanyaka zambi lwake. Je l'a condamné comme un pécheur à notre place. Mungu alimhukumu kama mtenda zambi papazi yetu kwa sababu gani? Pour que dans notre union avec le Christ. Hivi katika upatanishi wetu pamoja na Kristo. Nous soyons justes aux yeux de Dieu. Tuwe wenye haki mbele ya Mungu. Vous pouvez ajouter Hébreux 4:15. Ongeza Waebrania sura ya 4 mstari wake 15. La Bible parle du souverain sacrificateur. Biblia inaongea kuhusu mkuani mkuu. Qui est capable de compatir à nos faiblesses. Ana uwezaji ya yeye kuishi pamoja nasi muzaifu. Car il a été tenté en toutes choses. Kwa sababu alijaribiwa mambo yote. Il n'a commis aucun péché. Lakini hakutendaka zambi hata moja. Sans commettre de péché. Bila kutenda zambi. C'était ça la vie du bon berger. Hiyo ndiyo maisha na uzima ya mchungaji. Jesus Christ Oma. Yesu Kristo mwanadamu. Une vie sans péché. Maisha bila kutenda zambi. Et c'est la première dimension de la vie qu'il communique aux brebis. Na ni upana ya kwanza ya uzima yenye anamkizia wa kondoo. Nitame. Semeni amina. C'est ça. Joyo. La première dimanche. Upana ya kwanza. C'est cette vie qu'il a vécue sans péché. Ni uzima yenye aliishi bila kutenda zambi, mutiifu mumambo yote mbele ya Mungu. Vous connaissez Philippiens 2. Unajua Filipi sura ya 2, Biblia inasema. Il était tellement obéissant. Alikuwa mutiifu sana na mutiifu. Il s'est laissé crucifier. Alitikia na kusulubishwa. D'une mort violente. Mpaka na kufa mu ile lufu mubaya ya jeuri. Parce qu'il devait le faire. Kwa sababu alipasha kuyafanya. Pour accomplir la vision du Dieu Tout-Puissant. Juu ya kutimiza onyo ya Mungu Mwenyezi. Quel amour. Ni mapendo ya je. Souviens-toi mon frère. Kumbuka nduku yangu. Avant que tu n'existes sur la terre. Mbele ya we kuishi hapa pa dunia. Jésus. Yesu. Était déjà mort pour tes péchés. Alikuwa alishakufia zamani juu ya zambi yako.
Quel amour. Ni mapendo ya je. La Bible dit qu'il était obéissant en toutes choses. Biblia nasema alikuwa mutiifu mumambo yote. Soumis à Dieu. Mwene kumtii Mungu. Jésus a fait avait une vie terrible, non? Yesu alikuwa na uzima ya matata. Non seulement il a vécu la vie divine, la vie de Dieu sans péché. Aliishi uzima wa Mungu bila kutenda zambi. À cause de cette vie d'intégrité. Na kwa sababu ya uzima kamilifu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. L'a rempli de sa puissance. Alimjaza na uwezo wake. C'est Jésus homme. Ni huyu Yesu mwanadamu. Il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit de Ali Dieu. Alitajia uwezo wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Pour accomplir l'œuvre de rédemption. Kwa sababu ya kutimiza kazi ya ukombozi. Et pour faire tout ce qu'il a fait. Na kufanya byenye byote alifanya. Comme Acte 10, 38 le témoigne par exemple. Kama Matendo 10, 36 inashuhudia kwa mfano. Oui, vous connaissez ce verset. Unajua ile shahidi. Dieu qui a oint. Mungu le Saint-Esprit et de sa puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu à lieu, il faisait du bien, il opérait des miracles, il guérissait les malades, wagonjwa, il chassait les démons, il nourrissait les affamés. Qu'est-ce que Jésus n'a pas kitu fait? Yesu akufanyaka? Car Dieu était avec lui. Kwa sababu Mungu alikuwaka pamoja naye. Par la puissance du Saint-Esprit. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Jésus a accompli toute cette mission. Yesu anatimiza kazi yote hii. S'il avait péché. Kama alitendaka zambi. Ce serait fini et pour lui et pour nous. Ilipashaka kumalizika juu yake na juu yetu. Nous devons bénir le Seigneur Jésus. Tunapasha kumubariki Bwana Yesu. C'est pourquoi. Ndio kwa sababu. Quand le jour du jugement arrivera. Siku ya hukumu wakati itafika. Quand le jour du jugement va arriver. Siku ya hukumu wakati itafika. Ceux qui méprisent le Seigneur aujourd'hui. Benye kumzarau Bwana leo. Ce sera trop tard. Itakuwa mwisho kwa. Le Seigneur Jésus leur a donné cette parabole. Bwana aliwapatia hii fumbo. De Lazare et du riche. Ya Lazaro na mtajiri. Peut-être vous ne la connaissez pas, mon frère, toi l'incrédule. Saa zingine wewe wa roho mgumu nduku yangu hauijue. Mais ça va arriver ce jour-là. Lakini siku ile tafikaka. Ça va arriver, mon frère. Itafika nduku yangu. La vie du bon berger. Uzima wa mchungaji mwema. Une vie sans péché. Uzima bila zambi. Une vie caractérisée par une manifestation terrible de la puissance du Saint-Esprit. Une vie au service de Dieu. Uzima ya kumtumikia nayo Mungu. Jésus-Christ, homme le Messie. Yesu Kristo mwanadamu Masia. Oh. Toute sa vie c'était au service de Dieu. Maisha yake yote alikuwa alisha kuitolea juu ya kumtumikia Mungu. Il dit aux Juifs. Anaambia Bayuda. Je n'agis jamais par moi-même. Sitendake sifanyake kitu mwenyewe. Retenez que toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Jueni ya kwamba misemo yote natokaka mukinwa kyangu. Ne sont pas mes paroles. Aina yangu mie. C'est le Père qui est en moi qui vous parle. Ni baba ule kondani yangu njweko na misungumuzie. Tout ce que j'ai fait comme œuvre. Matendo yote ele niko natenda. Ce n'est pas ma puissance. Aina uwezo yangu. C'est l'esprit de mon Père qui agit. Ni roho ya baba yangu njweko natenda. Quelle humilité. Ni unyenyekevu waje. Nulle part Jésus. Hakuna fazi hata moja Yesu. S'est mis au-dessus du Père. Ya alisema mimi niko mkubwa kushindia baba. Nulle part. Hata fazi moja. C'est lui. Ni yeye. Je suis venu sur la terre. Nilikuja pa dunia. Accomplir sa mission. Kutimiza kazi yake yeye. Tout ce que j'ai fait c'est lui. Hivi vyote niko nafanya ni yeye. Même les paroles. Ata misemo yangu yenye. Et pour vous convaincre. Na juu kumihakikishia. Je vous révèle encore. Na mifunulia tena. Que je suis dans le Père est à moi. Mi niko ndani ya baba na baba eko ndani yangu. Répondant à la question. Eko na jibu kuswali. De Philippe. Ya Filipo. Le Père. Baba.
Philippe qui demande, montre-nous le Père. Philippe, on a c'est un apôtre. C'est un apôtre, il faut le comprendre. Il ne pouvait pas tout comprendre à l'époque. C'est pourquoi Jésus leur a dit, l'Esprit viendra pour vous rappeler, vous enseigner et vous expliquer pour que vous compreniez bien. Parce que Jésus a dit, c'est Maro Atakuja. Ata mifunulia, ata mikumbusha, ata mifasiria njumu elewe mzuri. Dita amen, peuple de Dieu. Semeni amina batoto ya Mungu. Hallelujah. Amina. Toute sa vie au service de Dieu. Maisha yake yote. Il a l'élia alie. Alianza kuenda mafazi ya kuachana. Quand nous avons... dans notre enseignement délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel. Nous avons parlé de la prière. La vie de Jésus. Uzima wa Yesu. Non seulement elle était consacrée au service de Dieu. Mais c'était en même temps. Tena ilikuwa. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na abarikiwe. Prêt à servir. Eko tajari juu ya kutumikia. Toute la nuit. Usiku mzima. Je me suis posé la question. Jésus, il dormait combien d'heures la nuit? Afu Yesu mwenye bushiku alianza kulala masangapi? Parce que la Bible atteste que chaque fois, il se retirait sur la montagne pour prier. Alikuwa anajitenga pamlima juu ya kuomba. Quand nous avons parlé de l'intercession, wakati tuliongea kuhusu kuombea, Jésus n'a pas commencé l'intercession seulement quand il est monté au ciel, non? Yesu akuanza kuombea mpaka wakati alipanda kumbingu, hapana. Il priait chaque nuit. Kila usiku alikuwa anaombea. Pourquoi Jésus priait? Kwa sababu gani Yesu alikuwa anaomba? Il se recommandait à Dieu. Alikuwa anajitoa kwa Mungu. Afin qu'il lui demeure fidèle. Evi abakie mwaminifu. Il renouvelle l'onction. Ampatie tena upako. Et il priait pour le programme de la journée. Na alikuwa anaombea bienya tafanya kesho yake. Quand le Bartimé. Wakati Bartimayo. Ne pouvait même pas voir les songes. Akuweza hata kulota ndoto. Mais ce jour-là, il a été surpris. Lakini siku zile alishitushwa. De voir la foule passer là où il se mettait. Ya kuona umate ya watu ilikuwa napita pembeni yake. Et il a saisi l'opportunité. Na alifanikiwa wakati. Mais l'homme n'est aveugle. Lakini huyu bwana alizalikuwa katika. Il s'est même pas rendu compte que Jésus est ici. Lakini ya kutambua ya kwamba Yesu wako hapa. Mais il était déjà dans le programme du Seigneur. Lakini alikuwa matengenezo ya bwana. Quel amour, Jésus. Ni mapendo ya je Yesu. Il a pris les apôtres et dit, allons. Anaambia ba mitume twendeni, twendeni. Et il leur pose la question, dites-moi. Na anabauliza mnyambieni. Cet homme, il est né avec. Huyu bwana alizalikwa kipofu. Et il était déjà adulte, plus de 20 ans. Na alikuwa alisha komala, zaidi kushindia umri ya miaka 12. Que dites-vous? Munasema nini mwe? Les apôtres disent, ok. Ba mitume banasema mzuri. Nous constatons aussi que réellement, il est adulte, il est né avec. Na shi benye tunajonea, sima alisha komala, alizalikwa kipofu. Mais explique-nous. Na utufasirie wei. C'est lui qui a péché. Ni yendo alitendaka zambi njoo akwe kipofu. Bien son séparant. Ao ni bazazi yake. Lui il pouvait pécher comme donc il a péché quand il était bébé dans le ventre de sa maman. Afu huyu bwana alipacha kutenda zambi je. Pala alikuwa mtoto mtumbo wa mama yake ndio anatenda. Juu anazalikwa anatoka mtumbo kipofu. Il pouvait pécher comment? Alita kutenda zambi wapi na je? Bien sûr, nous concédons cela aux apôtres, sont des hommes. Lakini nasi tunaitikia ba mitume baseme vile shini bantu. Le Seigneur leur dit non. Bwana anabambia hapana. Ce n'est pas un problème du péché. Hapa haina mambo ya mtu alitenda dhambi hapa. Mais s'il est né avec. Kama alizaliko kipofu. C'est pour que aujourd'hui. Ni njoo leo hii. La gloire du Dieu vivant. Utukufu ya Mungu aliye hai Yesu Kristo. Soit révélé. Ifunuliwe. Un autre jour, c'était le tour du paralytique de Bethesda. Vous allez voir, l'homme n'est aveugle. Et le paralytique de Bethesda. Na huyu bwana mwenye kupooza miguu. Il n'avait aucune connaissance précise de Jésus. Aba kumujua ke Yesu ni waje ni nani. Quand on a demandé à l'homme n'est aveugle par les pharisiens. Wakati wa farisayo walimuuliza yule bwana alikuwa kipofu hapa. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Anasema ni ule bwana anaitaka sema Yesu. Qu'on appelle Jésus. Ule bwana bantu anaitaka sema Yesu. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Explique-nous, il a fait comment? Il leur explique. Les pharisiens parlent.
Comme leur cœur était toujours mauvais, ils reviennent pour la deuxième fois. Toi, viens, explique-nous. Et tu dois déclarer que c'est un pécheur. Il leur a donné une belle leçon. L'homme. Que Dieu te touche, mon frère. Que Dieu te touche, ma soeur. Et que ceux qui se moquent de toi, tu leur donnes une leçon, même si tu ne parles pas. Et là, vous dites qu'il est pécheur. Oh, mais vous nous avez toujours dit que Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Mais si cet homme a ouvert les yeux, c'est que Dieu l'a exaucé. Vous, je suis avec vous tous les jours. Vous n'avez jamais fait ce qu'il a fait. Ok, très bien. Explique-nous. Je vous ai déjà expliqué, non? Ou bien vous voulez devenir aussi ses disciples. Alléluia. Amen. Mais comme c'était déjà mauvais, la Bible dit ils l'ont insulté, ils l'ont chassé. Mais l'homme est parti glorifier le Seigneur. Le lendemain, le Seigneur le rencontre pour le processus de naître de nouveau. C'est vrai, il l'a guéri physiquement. Mais il fallait que spirituellement cet homme donne sa vie au Seigneur. Un jour, c'est le tour de l'homme de piscine de Bethesda. Il était là comme tous les jours. Après 38 ans d'infirmité, mais il ne savait pas que ce jour-là, depuis la nuit, pendant qu'il priait, Dieu lui a donné le programme sur cet homme-là. C'est ainsi que le lendemain, il arrive. Veux-tu être guéri? Unapenda kupona? C'est normal que cet homme dit tout ce qu'il avait dit. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait aucune connaissance de Jésus. Et puis, c'est un homme qui se présente devant vous, qui pose la question. Est-ce que tu veux être guéri? C'est normal qu'il lui explique comment on est guéri là-bas. 38 ans. L'homme dit à Jésus, personne pour me jeter dans cette eau, quand l'ange descend, agite l'eau, si on te jette le premier, tu es guéri. Mais comme je n'ai personne pour me jeter le premier, imaginez-vous un peu, bien-aimé. Pendant 38 ans, chaque matin, sa famille l'amenait, je crois. Un moment, je crois qu'ils étaient fatigués. Parce qu'ils étaient toujours précédés par quelqu'un d'autre. Jésus est bon. Jésus est très bon. Yesu ni mwema sana. Quel amour, mon frère, quel amour. Ni mapendo ya jendu kuyangu. Lève-toi. Si mama. Prends ton lit et marche. Lève-toi. C'est bien de m'expliquer tout ça, mais moi je te dis, lève-toi, prends ton lit, va-t'en. Cette parole retentit dans le cœur de cet homme. Cette parole a eu la puissance de toucher son corps de la tête aux pieds, de détruire la paralysie, de détruire l'infirmité, de restaurer cet homme debout. Une seule parole, prends ton lit et marche. Et il s'est levé. Oui, il est parti sans même demander. Oui, qui es-tu? C'est qui celui-là? Je crois que cet homme était troublé. C'est normal. Que Dieu te fasse grâce.
Mungu akujalie neema. Mon frère, que Dieu te fasse grâce. Ndugu yangu, Mungu akujalie neema. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie neema. Mangaribi ya leo. Qu'il prononce une parole sur ta vie. Atamke neno juu ya maisha yako. Ferme tes yeux. Funga macho yako. Nous allons continuer dimanche. Tutaendelea siku ya Jumapili. Que ce soir l'Éternel prononce une parole sur ta vie. Mangaribi ya leo, Mungu atamke neno juu ya maisha yako. Une seule parole. Neno moja tu. Lève-toi. Simama. Prends ton lit et marche. Beba kitanda yako, tembea. Et l'homme s'est levé. Huyu bwana kasimama. Qu'il prononce une parole. Atamke neno. Que cette parole retentisse dans ton corps maintenant. Neno ile sikilike ndani ya mwili yako sasa. Et que toute maladie soit détruite au nom de Jésus. Na magonjwa yote ivunjwe katika jina la Yesu. Il dit, anasema, prends ton lit et marche. Beba kitanda yako na wende. Cette parole a eu la puissance. Neno hii ilikuwa na uwezo. De détruire l'infirmité, la paralysie dans le corps de cet homme. Ya kuvunja ulema na kupooza ndani ya mwili ya huyu mtu. Il est vivant notre Dieu. Eko mzima Mungu wetu. Que la puissance de sa parole aujourd'hui. Uwezo wa neno lake leo. Détruise toute infirmité, toute maladie, toute semence de maladie dans le corps. Gonjwa ndani ya mwili. Bien-aimé, mupendwa, reçois ta guérison. Pokea uponyaji wako par la puissance de sa parole. Kwa uwezo wa neno lake. Reçois ta guérison. Pokea uponyaji wako. Peut-être c'est la mort qui te menace. Sa zingine nulufu lunakuamakia. Devant la tombe de Lazare. Mbele ya kaburi ya Lazaro. Une seule parole. Neno moja tu. Lazaro, sort. Toka. C'est tout. Jomwisho. Oh Seigneur Jésus-Christ. Eh Bwana Yesu Kristo. Ce soir nous avons besoin que tu parles sur nos vies. Mangaribi ya leo tunapendelea useme juu ya maisha yetu. Parle sur la vie de ton fils. Sema juu ya maisha ya mtoto yako. Parle sur la vie de ta fille. Tous ceux qui ont participé encore à ce culte. Parle sur la vie de tout un chacun. Sema juu ya maisha. Jésus, nous avons besoin de ta parole. Yesu tunahitaji neno lako. Nous avons soif d'entendre ta Bwana parole. Bwana tunajua kusikiliza neno lako. Tu as dit prends ton lit, lève-toi et marche. Ulisema chukua kitanda na usimame wende. Tu as dit à Bartimé. Ulimwambia Bartimayo. Que veux-tu que je fasse? Unataka nikutendee nini? Bartimé a dit mais je veux voir. Bartimayo alisema nataka nione na macho. Oui, que te soit fait selon ta foi. Na ulimwambia uishi bila nataka kupatana na imani. Merci de voir la foi de ton fils de ta fille. Merci de voir notre foi. Notre foi Jésus. Nous avons cru aujourd'hui encore. On pouvait te servir. Car l'esprit à mes corps. C'est le temple de ton esprit. Et de là tout. Ou toute autre chose. Oh, ne pouvait pas nous empêcher. Empêcher ton temple de te servir. Kutumikia. Oh Dieu le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Tu es Dieu. 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 Merci de glorifier le Seigneur Jésus. Asante kwa kumtukuza Bwana Yesu. Merci de glorifier le roi. Asante kwa kutukuza mfalme. C'est toi qui opères maintenant dans le corps. Ni wewe unatenda ndani ya mwili sasa. C'est ta puissance qui accomplit la promesse de guérison par le nom de Jésus. Yako inatimiza uwezo ya uponyaji katika jina la Yesu. Oui, Dieu le Saint-Esprit. Ndio Mungu Roho Mtakatifu. Ta parole déclare. Neno lako inatangaza. Un jour. Siku moja. Jésus rencontre une femme. Yesu anakutana na mke moja. Que Satan avait courbé pendant 18 ans. Wenye shetani alikunjamisha kuna umri ya miaka 18. Donc une vie dominée et spirituellement et physiquement pendant 18 ans. Cette femme ne peut pas se redresser. Elle ne pouvait rien faire. Tu as touché cette femme. Ulimgusa huyu mwanamke. Tu as chassé le démon. Ulifukuza mandemona. Et elle était redevenue normale. Na alinyoloka tena. C'est vrai, les pharisiens, à cause de leur mauvais cœur. Ni kweli wa farisa kwa sababu ya roho mbaya yao. Cherchant toujours des raisons pour condamner Jésus. Walikuwa natafuta sababu juu ya kumhukumu Yesu. Oh, comment tu as fait ça le jour de sabbat? Namna gani unatenda mambo ya hivi siku ya sabato? Le Seigneur leur a dit. Yesu akawajibu. Elle est aussi fille d'Abraham. Naye ni mtoto mwanamke wa Abraham. La guérison c'est aussi son héritage. Uponyaji nao vile vile ni urithi yake. Ah, bien aimé, qu'il te touche maintenant. Upendo akuguse sasa.
Quelles sont ces chaînes, ces liens qui résistent? Ni vifungo gani, ni minyororo gani ngaliki natawala? Qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit maintenant. Que la puissance de feu du Saint-Esprit affecte ton esprit, ton âme et ton corps maintenant. Et que toutes les œuvres des puissances des ténèbres soient détruites au nom de Jésus. Toute résistance des maladies soit détruite au nom puissant de Jésus. Il a dit, je suis venu. Alisema nilikuja, moi le bon berger, mimi mchungaji mwema, pour donner ma vie, kwa sababu ya kupana uzima wangu, afin que mes brebis les kile en abondance, hivi kondoo zangu waipokee na kuipokea kwa utele. Merci Dieu le Saint-Esprit au nom de Jésus. Asante Mungu Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Nous disons tous amen, on acclame le Seigneur. Sote tunasema amina, tunampikia Bwana makofi. Alors sasa, nous allons continuer dimanche. Tutaendelea siku ya Jumapili. Toujours par la grâce de notre Dieu. Paka kwa neema ya Mungu wetu. Comprendre encore quelle a été la vie du bon berger. Kuelewa tena uzima mchungaji mwema ilikuwa ya je. Cette vie qu'il nous a transmise. Uzima yenye alituamkizi. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Laissez image de l'influence du chrétien dans le monde. Le site foi de l'accomplissement de toutes choses. De la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des tués pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.